ちら、私、日本の福島県から参りました青木よし子と申します。よろしくお願いいたします。 Bonjour, merci madame. Et alors, je m'appelle Yoshiko Aoki, je viens de Fukushima. これからのエネルギーとか、それから、原子力をどうすればいいかと、そういった議論をする前に、ぜひ今の福島を知っていただきたいと思ってやってまいりました。Donc je suis venu, c'est-à-dire aussi pour vous porter un message, pour vous faire connaître vraiment la réalité de Fukushima, avant de discuter sur l'énergie ou bien nucléaire.私は、政治家でもないし、思想家でもないし、学者でもありません。ただの一介の市民です。僕は、私は、ファンポリティック、私は、エクスペア、私は、シェルティフィック、私は、ユニストワイエン。今、2011年3月11日から、今なお、4年の間、避難生活を送っている、富岡町という町の町民と共に生きています。Je vis avec tous les habitants de la ville de Tomioka qui vivent dans, la, donc, dans les lieux loin de la ville depuis le 11 mars 2011. Tomioka は今回避難している町の一つに過ぎません。Donc Tomioka, c'est une des villes qui a été obligée d'évacuer ses habitants depuis l'accident. でも、Tomioka を知ることは福島を知ることであり、日本を知ることだと思っています。Mais je suis sûr que connaître Tomioka, c'est connaître Fukuoka et connaître le Japon. 富岡町を襲った2011年3月11日の地震は震度6強でした。Donc, le tremblement de terre qui a frappé le Tomioka le 11 mars 2011 était c'est plus que le 7 sur l'échelle de Richter. 皆さんから見て右上の地図が福島県です。Donc la carte qui est la droite en haut, c'est le département de Fukuoka. 福島。福島。福島は、とても広い県道です。で、その中で右側の方、これ太平洋に面しているんですが、そこのちょうど真ん中に富岡町という町があります。Donc c'est un grand département et il y a trois parties. Et tout à fait à droite, c'est la partie plutôt le côte pacifique. Et à peu près au milieu se trouve la ville de Tomioka. 人口は1万5千人少々。Donc avec ses 15 000 habitants. 海の幸、山の幸に恵まれたとても気候の温暖なのどかな町です。C'est une ville très jolie, avec la douceur du climat.Et là, aussi la richesse de la terre, la montagne et la mer. この町に地震が来、そして津波がやってきました。Donc, la tremblement de terre a frappé cette ville, ensuite le tsunami. これは津波の第二波ですが、富岡の駅に襲ってきた、津波です。C'est la deuxième vague de tsunami, et là où il y avait la gare de chemin de fer de Tomioka.この時の波の高さは 21.1 メートル、福島県の沿岸では一番高い波が来ました。Donc la hauteur de la vague est élevée à 21,1 mètres. Donc c'était la vague la plus haute sur la côte du département de Fukushima. 駅前の風景です。Donc c'est devant la gare. これだけなら、まだ。今のような悲劇は起こっていませんでした。Donc, en fait, si y avait que ça, ご覧ください。Autant de tragédie. Voilà. 富岡町を囲んで2つの原子力発電所があります。On entoure la ville de Tomioka, nous avons deux sites des centrales nucléaires. 黄色い原子力の印の上の方、北の方が今回爆発した福島第一原子力発電所です。Donc il y a deux logos de centrales nucléaires. Donc il y a en haut, ça c'est le donc la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi qui a eu cet accident. Tomioka est à peu près 20 km 内にすっぽり入っているために、12日の早朝、全町民に避難指示が出ました。
Donc, dans toute la ville de Fukuoka se trouve à l'intérieur du périmètre de 20 km de ce centre nucléaire, que déjà le 12 mars, le matin très tôt, on a donné l'ordre d'évacuer à tous les habitants de la ville. C'est le premier ministre de l'époque qui nous a ordonné de 避難指示を出していただいて、町民はですね、先ほどから安全という話が出てますが、原子力発電所は絶対に事故は起こさないと信じていた原子力発電所が事故を起こしたということで、慌てて避難いたします。 Donc tout d'un coup, le matin, on nous donne, on dit qu'il faut évacuer. Et nous, on était persuadés que la centrale nucléaire était sûre.Et qu'il n'y aura jamais d'accident nucléaire. Et mais on est obligé de partir. 15,000人の人口、約6,000の世帯、これが全員避難指示に従って車に乗って今川内村という村に向かって避難しているところです。Donc 15,000 personnes, c'est-à-dire c'est à peu près 6,000 foyers. Et tout le monde y prend leur voiture pour aller vers la ville.この写真を見てぜひ皆さんに考えていただきたいことがあります。この車の一台一台に人が乗り、家族がいて、人生があります。この写真のシャッターが降りた瞬間から、誰一人自分の今まで住んでいた町、住んでいた家、そして家族と共に暮らしていくことができなくなったんです。 Depuis le moment où cette photo a été prise, personne sur cette photo n'a pas été autorisé à revenir à la ville, de retrouver la maison où on a vécu et de vivre comme avant avec la famille. なぜなら、いまだに放射線量の関係でこの町には人が住めないからです。Pourquoi? Parce que là, cette ville est toujours à une haute radioactivité et donc personne peut vivre dans cette ville. 当時車の整備をしていた警察官はこのような格好をしておりました。 Donc c'est de l'habillement de police, des policiers et etc. sur la route. もうすでに放射能が漏れていたんです。Donc il y avait déjà des radioactivités en l'air. この後町民は、郡山という福島県の中では、比較的大きな都市のビッグパレットという避難所に入ることになります。Donc après tous les habitants ont été invités à gagner la ville de Koriyama, c'est une ville plutôt grande ville pour les appartements, dans un établissement qui s'appelle Big Palette.約3000人が詰めかけた避難所での生活が、その後5ヶ月ほど続きます。Donc, c'est le centre d'hébergement provisoire où 3000 personnes ont été logées. Cette vie a duré 5 mois. そして避難所が閉所した8月からは、このように、仮設住宅というとても狭い住宅に、これは県が建てた住宅に入る人、あるいはアパートに住む人、あるいは全国、沖縄から北海道まで日本全国に避難する人と町民はバラバラになってしまいます。Donc au mois d'août de même année, après la fermeture de ce centre d'hébergement provisoire, tous les habitants de la ville étaient dispersés. Soit ils ont eu le droit d'aller dans un logement provisoire, mais un logement tout petit, ou bien de prendre un appartement de location, ou bien aller dans les villes, n'importe quelle ville, ce qui se trouve du nord au sud de l'archipel de Japon, pour trouver un logement. そして、これは全町民に避難指示が下ったその後、2013年の3月に町が3区画に再編成されました。 Donc après cette recomposition, cette disparition de la ville,
C'est-à-dire au mois de mars 2013, notre ville a été recomposée en trois arrondissements.それまでは町全部が立ち入り禁止だったんですが、あのピンク色のところだけが今でも立ち入り禁止の区域です。3 zones plutôt, c'est-à-dire que jusqu'ici l'ensemble de la ville était interdite et que maintenant c'est juste la partie rose et la zone interdite. ただその2つの地域も未だに9時から3時までしか入ることができません。Sur les deux autres zones, ce n'est pas tout à fait interdit. On peut y aller, mais on peut y aller que entre 9h et 15h dans la journée. 人が入れない街は片付けることもできない。そのままのまま。Donc, 4年前のままです。Les villes ont été abandonnées telles quelles il y a 4 ans parce qu'on ne peut pas rentrer, on ne peut pas ranger, on ne peut rien faire, on ne peut pas faire les travaux.街にはバリケードがあって、バリケードの向こうは入ることのできないところです。Donc, il y a des barricades dans la ville et on ne peut pas passer donc à travers les barricades. 時間があまりないので、この後は映像をさっと見てください。これは流されてしまった駅です。En fait, c'est la gare de chemin de fer qui a été complètement nettoyée et lavée par le tsunami. これは町民の家です。C'est une ville, c'est une maison d'une habitante. C'était le jardin, il y a beaucoup de rats. On dirait un fort village quand même. Il y a beaucoup de rats. Parce que si jamais on revient, est-ce qu'on peut vivre dans les maisons pareilles? 先祖代々耕してきた田んぼ。Et c'est des rizières où nous avons cultivé depuis des générations des générations. セイタカアワダチソウという雑草で埋まってしまっています。Mais en fait, c'était les rizières, très, très beaux rizières, et maintenant, c'est couvert des mauvaises herbes qui est tenant, ce qui s'appelle セイタカアワダチソウ。4年経った今では、これが雑草ではなく、柳の木が3メートルぐらいの高さにまで伸びて、田んぼにたくさん生えています。Ça c'est juste après l'évacuation, mais 4 ans après, ce n'est plus des mauvaises herbes, ce sont des arbres. C'est des arbres de 3 mètres, on dirait les saules pleureurs. 今ざっと見ていただいたんですけれども、ここで私がぜひ皆さんにお話ししたいのは、今、富岡町ではようやく4年経って除染が始まりました。Bon, donc alors je vous ai montré les photos et je voudrais vraiment vous dire une chose parce que 4 ans après l'accident à Tomioka, maintenant les travaux de décontamination ont démarré. 壊れかけた家の解体工事も始まりました。Et on a commencé aussi le démantèlement des maisons qui sont en moitié détruites. 町がきれいに整備されるともうそれだけで全てが片付いたようにそんな風に片付けられてしまう、そんな傾向が感じられます。Quand la maison a été mise en ordre, quand il y a des nettoyages à faire, on a l'impression que tout est nettoyé. でも、そこに住んでいた町の人々の気持ちはこんな不安でいっぱいなんです。Mais non, c'est mis à part des maisons et de l'aspect de la ville, mais le sentiment des habitants, des anciens habitants, ont plein d'angoisse.コミュニティが崩壊してしまい、これから先自分の立つべき場所はどこなんだろうかという不安。Donc la communauté est complètement, communauté locale est complètement détruite et on se demande où on va, où on est. 町が再編されたことによって、それぞれの人の町民の心に柵ができてしまってるんです。Et aussi parce qu'on a fait trois zones à l'intérieur de la même ville.Il y a aussi, ça fait aussi la barrière, ça fait des frontières à l'intérieur des habitants. C'est-à-dire, ça fait des frontières à l'intérieur des habitants de la même ville. ここに柵ができると。Par exemple, là, ici, il y a des barrières. 私は自由に入れない、そんな家の人。Moi, je ne peux pas entrer dans cette maison. こちらに、ここにいる、例えば、総理は自由に入れる土地の人。この柵の
こことここにどんな違いがあると思いますか？ Parce qu'il y a une barrière de ce côté-ci de barrière. Moi, je fais partie de la zone où zone interdite. Je peux pas mettre mon pied dans ma maison. Par contre, par exemple, le monsieur Kang se trouve dans la zone où on peut aller dans la journée. Et là, quelle est la différence entre deux personnes, entre deux maisons? すべては行政的な、都合によって分けられた区域なんです。Ça simplement, ce sont des zonages qui ont été faits par les fonctionnaires. 福島そのものは今のところそんなに安全な放射線量でもないし、そんなに落ち着いた状態でもありません。Bon, bien sûr, les Fukushima, bon, donc le niveau de radioactivité n'est pas si sûr et ce n'est pas un endroit calme. 考えると全く自分で納得のいかない本当に突然の不条理な理由で町を離れさせられ、そして未だに先が見えない、それが今の避難している町民の不安です。 C'est-à-dire un bon matin, tout d'un coup on nous dit de quitter la maison, quitter la ville. On sait pas pourquoi, mais on sait pas très bien, mais il faut quitter, tout le monde doit quitter la ville.Et que même maintenant, 4 ans après, actuellement, on ne sait pas très bien ce qui se passera demain. Et c'est là notre situation. Parmi les habitants, il y avait 23 personnes qui ont décédé à cause de tremblement de terre et le tsunami. Donc par rapport à d'autres départements de Iwate ou bien Miyagi, il y a beaucoup moins de personnes qui ont perdu leur vie à cause de catastrophes naturelles. しかし、昨年秋の調べでは、関連死、震災後の関連死は253名を超えました。Par contre, donc d'après la statistique à la fin de l'année dernière, il y a plus de 250 personnes ont trouvé la mort.Après l'accident, mais c'est ce qu'on appelle les morts qui sont, dont la cause de décès sont liées à l'accident de Fukushima. Donc voilà, ça c'est le résultat de l'accident de Fukushima. Vous n'allez jamais dire qu'on ne comprendra pas tant qu'on ne vit pas. Fukushima a tout démontré. Donc la réalité de Fukushima le prouve.最後に私も一言、ノーモア福島。ありがとうございました。Maintenant enchaîner avec le témoignage du professeur Zanette, qui a travaillé en tant que professeur d'épidémiologie sur les effets des radiations à Fukushima et Tchernobyl.